tout le monde, c'est Mightyfic. Alors, on a un nouveau téléphone et on veut complètement y transférer notre ancien WhatsApp. Du coup, comment le faire? Eh bien, tu verras que c'est en fait vraiment très facile. On y va. Alors, pour commencer, on va aller sur tenorshare.fr. Ensuite, sur la catégorie produits, on descend au niveau de gestion de données et on clique sur iCareFone transfert WhatsApp. Une fois sur la page de téléchargement, on va cliquer sur essai gratuit pour avoir le logiciel. Alors, on va le télécharger bien sûr et l'installer. Une fois sur le logiciel, on va sélectionner WhatsApp, puis connecter nos deux appareils. Et ici, on te demande d'activer ou d'autoriser le débogage USB sur le téléphone, n'hésite même pas. Du coup, mes téléphones sont connectés et pour ma part, je vais intervertir les rôles pour que les données partent de mon Kyocera vers le Samsung. Dès lors, on clique sur « Transfert » et on va te dire que les données du WhatsApp du téléphone cible seront effacées. Tu peux donc les sauvegarder ou juste les écraser en cliquant sur « Continuer ». Pour sauvegarder ces discussions et autres, c'est simple. On va juste aller dans les paramètres de notre WhatsApp, puis « Discussion » et tout en bas sur « Sauvegarde discussion ». De là, on clique sur « Sauvegarder » et tout sera OK. Moi, je l'ai déjà fait, donc je passe juste. On peut donc appuyer sur « Continuer » et attendre que le transfert se termine. Là, tout est bon. Du coup, sur le téléphone cible, on va désinstaller et réinstaller l'application WhatsApp. On s'y inscrit en y mettant le numéro WhatsApp qu'on avait bien sûr dans le téléphone source. Puis, continuer et on autorise tout. L'appli va directement chercher et trouver notre nouvelle sauvegarde, donc on va juste cliquer sur restaurer. L'installation va donc se poursuivre normalement et notre compte WhatsApp aura bien été totalement restauré. Voilà, en gros c'est ça. Tu prends le petit logiciel en description et tu suis tout simplement le tutoriel. Bien sûr, si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire, mais avant, n'oublie pas de me laisser le petit like qui fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Mightyfic et on se dit à la prochaine pour une nouvelle découverte digitale si tu es abonné à la chaîne. Bye.